Coucou Mathilde. Coucou Sophie. Ça va aujourd'hui? Oui, on espère que vous allez très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait la liste de la rentrée. Alors oui, on fait une chasse aux fournitures scolaires. Alors, c'est toi qui as la liste, je le sais. Non, moi la liste, je ne l'ai pas. Mathilde, écoute-moi, écoute-moi. Mathilde, j'ai caché la liste scolaire. Dans la poubelle. Non, pas dans la poubelle, ça serait trop facile. Dans tous les casiers que tu peux voir là. À toi de la retrouver. Ils sont en bataille, hein. Bien sûr, je ne vais pas les mettre tout en haut, même si l'envie me démangeait. Tu rentres en quelle classe cette année? CM1. CM1? Waouh, t'es bientôt une grande. Il n'y a pas. Alors, je vous rappelle, Mathilde doit chercher dans tout ça. Il y en a beaucoup. Non, allez, en 10 secondes. T'es prête? Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, fini. T'as perdu. En plus, t'es passée devant Mathilde. Elle était juste là. Sérieux? Oui, elle était juste là. Je te déteste. Allez, on va commencer, t'es prête? Oui, il faut prendre à l'endroit, ça serait pas mal. Sinon... Allez, Google. Alors, Mathilde, on commence par quoi? Deux stylos de chaque couleur, bleu, rouge, vert, noir. Oula, t'es rapide. Ben, hop, tu prends le caddie, je te laisse le prendre. Et te diriger vers les stylos qui sont... Si, t'as failli tomber. Ils sont vers l'entrée, Mathilde, tu te souviens? C'est par là? C'est ici. Alors, un rouge, un vert. Rouge, vert, bleu, noir. Rouge, vert, bleu, noir. Et là, t'as le choix. Je vais prendre des gommes. Un quoi? À effacer. Les frictions? Oui. Ils sont où? Non, c'est pas celui-là. Ils sont là, regarde. Tu veux des frictions? Oui. Bleu. Alors bleu, on va en prendre peut-être plusieurs. Ouais. On va prévoir pour toute l'année. Oui. Oh bah attends, t'as les recharges, je suis bête. Eh ben oui. Voilà, un bleu. Il faut un vert. Un vert. Ils sont peut-être en bas là. Non, regarde oui. Là. Non, pas en clair. Non. Un vert, un rouge. Alors un vert et un vert un foncé et un vert clair. Comme ça on est d'accord. D'accord. Je suis pas sûre que maman soit d'accord. Allez. Tu sais, maman. Un rouge et un noir. Et les noirs, ils sont dessus. Ok. Voilà. Et on va prendre des recharges, hein, faut pas oublier. Les recharges, elles sont où les recharges? Aucune idée. En tout cas, elles sont. Alors, logiquement, Mathilde, ils doivent être vers les mêmes stylos. Au-dessus. Est-ce que j'en vois? Est-ce qu'on en voit? Je ne crois pas qu'elles sont ici. Et non, je ne crois pas non plus. Me serais-je trompée? Mais Mathilde, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que zut. Bon, on va aller chercher après. Hein. Qu'est-ce qu'on pense? On passe à la suite? Oui. Allez. Qu'est-ce qu'il te faut après? Il me faut 3 crayons graphite HB. Hein? C'est vraiment marqué ça. Hein? Bah oui, mais c'est marqué. Et bah, c'est les crayons de papier. Ah. Alors, les crayons de papier, ils sont pas là parce qu'on est dans les stylos. Ils auraient pu marquer crayons à papier. Ça serait plus facile et plus. Ah bah oui, mais parce que tu verras, il y a plusieurs types de crayons, Mathilde. Les crayons en papier. Les crayons en papier Harry Potter. Allez, s'il est-ce que plaît. C'est les bons? Oui, c'est des crayons en papier. Crayons graphiques. Oui. C'est des... HB ou pas? Oui, c'est des HB.
C'est bon, tu peux les prendre. En tant que fan d'Harry Potter, je les prends. Eh, doucement, tu vas casser la mine. Après, qu'est-ce qu'on a? Tic-tac, tic-tac. Un kilo, 0,7 à renouveler si besoin. Oh. Et... C'est quoi ces listes là? C'est marqué là. Oh, alors. Non, c'est un stylo à mine. Oui, un stylo à mine. Alors, on va déjà retrouver les crayons de papier. Est-ce qu'ils sont... Je sais pas, je pense pas. Non, là, c'est l'école. En tout cas, il y a des souligneurs. Oui. Attends, je vais chercher. Tu viens, Mathilde? Oui, je suis là, je suis partie 100 fois. Tut tut. Voilà. Tiens, là, il y a des crayons de papier. Regarde, Mathilde. C'est ça, les crayons en mine. Tu vois les stylos en mine. Donc, t'en as des plus ou moins différents. Lui. Tu veux celui-là? Lui. Oui, parce que j'en ai déjà eu un comme ça. C'est vrai? Et c'était le même. Ok. Pour, Les recharges. Alors, les recharges, c'est ça. Pas, là, c'est un demi-mètre. Qu'est-ce qu'il te demande? Un 0,7. J'adore l'école pour les... pour les précisions. Pour les précisions, 0,7. Et bien là, tu vois, regarde, il n'y a pas les recharges. Mm. Parce que là, on les trouve pas, les recharges. Je trouve pas. Non, je trouve pas les recharges, Mathilde. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on prenne celui-ci au mieux de celui-ci. Est-ce qu'on n'a pas les recharges? Sinon, on prend lui et on prend juste les recharges de lui. Tu veux pas ouvrir quand même le paquet dans le magasin? Allez. Non, on peut pas, Mathilde. C'est... Ça coûte cher, hein? Tu vas rentrer, oui. Oh. Bon, après, la suite. Alors, une gomme blanche. Toute blanche, hein. Eh bien, regarde, là, il y en a. Juste là. Là, t'as tout le lot, là. Dans le rayon Harry Potter, regarde, oui. Vas-y. Je t'attends. Que c'est joli. Il y a des belles couleurs. Couleur pastel. C'est bon, tu les as? Oui. Ah oui, elles sont magnifiques. C'est au combat, tu ouais. sais? Et bien, oui, je me souviens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, Mathilde? Les bâtons de colle. La colle, elle est là-bas. Prévoir une dizaine pour l'année. Eh bien, c'est ici, Mathilde, je t'ai dit. Bon, ben, je suis en train de faire la liste de courses de Mathilde sans Mathilde. C'est génial, hein. Normalement, elle doit m'accompagner, mais elle n'est pas là. On peut apprendre ça. C'est parfait, ça. Et non. Qu'est-ce que tu faisais? Je regardais au rayon Harry Potter. De la colle Harry Potter. Pourquoi pas? Allez. Le packaging, juste. Bon, la colle, c'est fait, Mathilde. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Des ciseaux au bourron. Des ciseaux à bourron. Ah, je sais, mais en fait, elle part à 10 000 km alors qu'il en a là. Mathilde, où est-ce que t'es? Je dois faire lesquels? Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, à bourron. Ils ont tous les deux les bourrons. Hein. Tous les deux? Oui. Ça dépend. Gryffondor ou. Il y a Harry Potter. Là, c'est un plastique. Je trouve que c'est mieux celui-là pour des CM1, c'est pas mal. L'autre, ça fait un peu plus enfant. Tu sais que tu es gauchère, Mathilde? Oui. Est-ce que tes ciseaux sont faits pour les gauchers? Oui. Regarde. Vérifie-lui. Alors, celui-là. Non, c'est pas marqué, Mathilde. Hein. Ben? Si. À mon avis, Mathilde, tu ne pourras pas. C'est des droitiers. Ah oui.
C'est dommage. Tiens, tu vas les ranger? Tu sais qu'à l'école, à la garderie, j'ai quand même fait des ciseaux droitiers. Une fois, j'ai réussi à couper. Hein. Oui, qu'une fois sur je sais pas combien. Alors, du coup, on va regarder les ciseaux ici. Ça, c'est pas pratique quand on est gaucher. Non, là, ils sont trop gros. Mathilde, viens voir, j'ai trouvé tes ciseaux. Ciseaux à bourron. Qu'est-ce que t'en dis? Non? Non, ils sont moches. Mais ça fait trop petit. Je sais, j'ai fait exprès. Allez. C'est pire que l'achat des vêtements. Hein. Alors, tu vas trouver? Je dirais celle-ci. Surtout que les ciseaux comme ça, j'aime bien parce que ça gomme ici. Ah oui, mais est-ce que tu as bien regardé que c'était fait pour toi? Oui, mais c'est pas ça que je regarde moi. Ils sont là. Hein. Oui, il me semble que ceux-là, ils ont. Attends. Les affaires de gaucher-droitier, vous savez. Parce que regarde, tu vois, regarde. Là, on a marqué L pour un gaucher. Donc, je pense qu'on est au bon endroit. Enfin. Enfin. Tu veux ça? T'es sûr? Oui. Bon, j'aime allez, bien le rose et le violet. Dans le panier. C'est ma couleur préférée. Qu'est-ce qu'on a après? Alors, mon petit. J'en étais à. Ah oui. Ah. Un stylo plume ou un roller. Ou un roller, un truc comme ça. Et des cartouches bleues. Alors déjà, on va faire le stylo plume. Stylo plume. Stylo. Rochard. C'est non. Quoi? C'est pas des rochards, ça? Si. Ah oui, elles étaient là. Tu vois, on les cherchait. Ça vient. Mais attends, prends pas tout le paquet. Mathilde, elle veut prendre direct tout le paquet. Attends. Oh. C'est du 0,7 qu'il te faut déjà. Tu vois, 0,7. 5. Alors attends, 5. 0,7 HB. Là. Si. Donc c'est celui-là. Voilà. Bon, c'est suffisant. Et du coup, on peut prendre lui. Oui, du coup, on peut prendre lui. C'est bien. T'as raison. Sa place, oui. Et on fait demi-tour. Grâce à toi, on a trouvé ce qu'il fallait. Merci qui? Merci Mathilde. Alors, on avait dit un stylo plume. Quand même, si jamais, peut-être qu'on peut le gratter, point. Non, là c'est les crayons de papier, les crayons de couleur et les feutres. Je pense que c'est plus vers les stylos où on était tout à l'heure. Je reviens. Je sais où elle va aller. Mathilde, je les ai trouvés, les stylos plumes. C'est quoi ça? Là, c'est des feutres ou c'est des stylos plumes? C'est des feutres. Non, t'en as pas. Elle veut avoir la collection entière. Regarde, viens voir. On va trouver des beaux stylos plumes là. Eh bien, c'est ceci. Je peux le choisir. Alors, tu vois, t'en as des classiques comme ici. Ça. Oui, t'en as avec des beaux dessins aussi. Moi, mais... je prends le plus beau de dessin. Oui, joli celui-là, regarde. Qu'est-ce que t'en penses? Bof. C'est lequel alors? Attends. Hein. C'est très joli. Oh. Joli, oui. Tu vois? Le lion, il brille. Alors, attends. Regardez la mine. Tu sais, il faut vérifier que ça ne soit pas laissé. Ah, c'est un stylo. C'est pas un stylo plume. Ah, pourtant, il est très beau. C'est pas ça, Mathilde. Pourtant, ça a l'air. Hein. C'est plus ceux-là. Non, ceux-là, je te dis. Je pense que là, tu trouveras. Alors, fais son choix. Je regarde. Hein. Non. Ah, les constellations, que c'est joli. J'aime bien les constellations. Tu me tiens le bouchon que je ne fasse pas tomber? Ah oui, il est bien. Très bien, parfait. Toujours vérifier les points avant d'acheter. Oui, parce que sinon on peut se tromper.
Alors, tu vas prendre des cartouches. Les cartouches, attention, il faut des cartouches effaçables. Effaçables ? Pourquoi ? Eh bien, parce que si tu fais... des façades. Parce que si tu fais une erreur, tu ne pourras pas l'effacer, c'est de l'encre. Ah oui, comme à l'ancienne. Merci. Passe pour une vraie. Allez, et il faut bien sûr des feutres. Voilà. Ça, c'est pour effacer ton encre. Le blanc, c'est pour effacer l'encre. Et le bleu, c'est pour écrire dessus. Tu sais qu'on en a chez nous. Je l'ai testé. Il ne marche pas du tout, le blanc. Hein. Bah parce qu'il a peut-être séché depuis. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je mets tout le temps à l'envers? Je sais pas, parce que tu sais pas lire, peut-être. Alors, c'était... On était à la 1. Oui, donc du coup, effaceur, c'est fait. Les effaceurs. C'est fait. On passe à quoi après? Un double décimètre. Ben, déci, c'est quoi? Une dizaine? Oui. Donc 2 fois 10. 2 fois 10, ça fait 20. Donc une règle de 20 cm. Voilà. Bon, on va chercher les règles. Chercher les règles. Sophie, je reviens. Va aller là-bas. Elle se contente que d'un rayon. Il n'y a plus, il n'y a plus. Dommage. Allez, viens, on va là-bas. Et par contre, il y a des sublimes. Je vais les prendre quand on finit ça. Hein. Si tu veux. Alors attends, faut qu'on cherche. L'école, c'est pas ici. Tu sais que les gauchards sont effacés à côté de toi. C'est la marque des stylos bleus de mon école. Ah bon? Oui. Je ne savais pas, mademoiselle. Donc là, il n'y a que des crayons de couleur. Ah, elles sont là, regarde. Oh, regarde, elles sont mignonnes, celles-là. Est-ce qu'il y a ton nom? Regarde, il y a ton nom, Mathilde. Ah, j'en ai déjà une, comme ça. Bon, bah alors, on rachète pas, alors. Oui. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, si tu as une de 20 cm, on va prendre, je crois que tu en as une de 30 cm qu'il te faut, par contre. Ouais. C'est ça, c'est... Alors, tu as tout le choix. C'est quoi? C'est un effaceur, bah, ici, c'est un efface. C'est trop drôle. Parce qu'on Oui, c'est un petit chiffon. Parce que j'ai un copain, il en avait un, tout le monde voulait jouer avec. Non, c'est pas un jeu. Je ne veux pas que ça se passe avec moi, donc je ne veux pas qu'on me le confixe. Donc je ne le prends pas, même si c'est choupi. Alors, une règle, là c'est 20 cm, 30 cm. Oh, qu'elle est belle, l'arc-en-ciel. J'en ai déjà eu une de comme ça, mais... Est-ce qu'elle est encore en bon état? Elle n'est pas coupée, déchirée, je ne sais pas quoi. Elle n'est pas déchirée ni coupée, mais par contre, elle est toute pliée. Bon, bah allez, reprends. Une 30 cm. Il n'y a pas une toute rose, parce qu'il y a une fois, j'ai eu une toute rose. Non, tu vois bien qu'il n'en a pas. Il n'y a que soit du bleu ou soit du rose. Comme tu veux. Bah en fait j'aime les deux. Ah ben il faut en faut qu'une, Mathilde. Je voudrais bien changer un peu la couleur, mais c'est compliqué. Oula, j'ai failli tomber en arrière. Là il y a du turquoise, j'aime bien le turquoise, mais là il y a du rose que j'aime bien. Comment je vais faire? Ouais, tu fais pique-nidouille. Ok. Attends, je peux me le tenir? Bah tu mets juste là, regarde, tu fais comme ça. C'est bon, ben voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il te faut, Mathilde? Un taille crayon avec résine. T'as oublié ton caddie? Où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas où elle est. J'ai perdu Mathilde. Ah bah elle est là. J'ai cru que je t'avais perdu. Avoue-le, il est trop beau en plus. Magnifique. Il y a un réservoir. Magnifique. Ils ont parfait. Dit avec un réservoir. Et c'est parfait. Réservoir. Et c'est parfait. Après la suite, qu'est-ce qu'on a? Alors. Un surligneur, je sais où est-ce que c'est. Bon allez, on va au marché de Mathilde. Le marché de Mathilde. Bon, bah allez, hop. Ensuite, et on va rester là, hein, parce que je sens que tu vas tout prendre. Qu'est-ce qu'il y a après? Alors.
Alors, une trousse. Une boîte de crayons. Je dis la suite parce qu'on a déjà des trousses. T'as déjà ta trousse. Une boîte de crayons de couleur. Là, il y a des feutres et il y a des crayons de couleur. On prend les feutres et crayons de couleur. Bah oui, t'as besoin de crayons de couleur et de feutres. Voilà, le marché de Mathilde. J'avais déjà des crayons de couleur comme ça. Mais par contre, les feutres, je les avais pas, ils étaient tous vendus. Alors, après. Une règle plate de 30 cm. On l'a déjà faite. Ouais, mais il faut aussi la 20 du coup. Ben non, tu m'as dit que tu avais une. Écrit avec Mathilde dessus. On va pas reprendre. Oui, mais je sais pas où est-ce qu'elle est en fait. Menteuse. Ouh la menteuse. Non, ouh la pas, menteuse. C'est pas que je suis menteuse, mais je sais plus où est-ce que je l'ai mis parce que je l'ai utilisée. Eh ben, tu vas la rechercher, puis au pire, on en rachètera une après plus tard. Oui. Une équerre. Une équerre, on retourne là-bas. Est-ce qu'il y a une équerre ? Non, mais est-ce qu'il y a... Alors, y a-t-il une équerre dans le marché de Mathilde ? Non. Non. Par contre, t'as une ardoise. Tu te souviens ? Oui, je l'avais la même. Oui. Parce que c'est pareil, Mathilde, elle a perdu son ardoise. On ne sait pas ce qu'elle fait. Chaque année, on rajoute avec des ardoises. C'est le gang des ardoises. Qu'est-ce que tu regardes ? Hein ? Pousse. Et parfaite pour moi, j'adore la science. Ah oui, mais t'en as une, toi, déjà. J'adore la science. Bah oui. Tu as compris ? Oui, j'ai compris. Oui, chef. J'adore la science. Oui, chef. Allez, petit chef. On va vers les équerres. Oui. Tu sais, c'est vers les règles. Ça, j'ai déjà eu, on vient de l'acheter. Oui. Regarde, il y en a des simples ici. Tu vois, tout là, il y a des simples déjà. Elles sont tous pas colorées, c'est dommage. On n'a pas les colorées. Non, non, c'est pour moi. Non, il n'y a pas de couleur. La vie est triste. Bon, allez, enfant. Attends là. Tu veux une bleue ? Non ! Bon, bah alors on rechange. Tiens, je te laisse ranger. Et ça va, je suis ta couleur préférée. Hein. Ah ouais, bleu, c'est génial. Attends, tu penseras à moi comme ça. Non, mais j'aime aussi un peu de bleu. Hein. Bah oui. Alors après, qu'est-ce qu'on a ? De bonne qualité. Tu l'as déjà, on l'a surligné, le compas. Ah, oui, j'ai le compas, tu l'as. L'ardoise, ça a été faite. On n'a pas pris les feutres, en fait, pour ton ardoise. Si, il y en a un. De feutres. Ah oui, mais il faut un peu plus, hein, si tu t'en sers beaucoup. Okay. Ici, Mathilde. Mathilde. On est là. C'est moi qui choisis, ici. Bah, c'est les mêmes. C'est moi qui prends, c'est moi qui choisis. Ok, ok, c'est ta fourniture scolaire. Tu veux prendre celui-là ? Non, ceux-là. Ah non, et tu sais Mathilde, quand tu utilises ton ardoise, c'est pour faire des maths, c'est pas pour faire du coloriage. Oui, je fais pas du coloriage, mais là, il y a toutes mes couleurs préférées. À la limite, celui-là, si tu veux. À la limite. Toi, il y a du rose et du bleu, si tu veux. Mais lui, le rose, il est trop beau. Et surtout que c'est la même marque que le petit bébé. Non, allez, celui-là, à la limite, si tu veux. Ok. T'as de la chance, je te dis pas celui qui est à côté. Merci. Oh, dis donc, tu vas pas faire le boudin. Rigole. Petit boudin. Ça va. Petit boudin. Un autre surnom, tiens. Boudin, boudin. Alors après, qu'est-ce qu'on a ? Je crois qu'on a fini. Non. Alors, on a fait le feutre, le chiffon. Bon, on va en prendre un à la maison. Non. Quoi ? On en achète. Mais on n'achète pas ici, on n'en a pas. Si. Il y a le petit pingouin, mais je ne le prends pas parce que tout le monde va me le piquer. Si, il y a ça que tu veux. Ça, les limite. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est pour l'ardoise ? Oui. Oui. On peut prendre ça, si tu veux. C'est rigolo, en plus. Voilà.
Bon, bah parfait. Alors, il manque les œillets, Mathilde. Et c'est tout. Des œillets. Tu sais ce que c'est? Non, tu sais pas. Attends, viens, avance. On va aller voir. Je sais ce que c'est parce que j'en ai déjà utilisé à l'école, il y en avait. Ah, bon, bah alors, on va trouver ça. Je sais pas pourquoi ça s'appelle des œillets. C'est la forme qui fait ça. Je ne crois pas que c'est là, Mathilde. Alors, les œillets, les œillets. Là, il y a des classeurs, c'est peut-être là, Mathilde. Tu l'as vu? On est passé devant, ça se trouve, non? Ah oui, ils sont là. Bon, bah parfait. C'est suffisant. Et voilà, Mathilde, la chasse aux fournitures scolaires est... terminée. Bon, ça t'a plu? Oui, on espère que vous aussi. Tu étais parée, là, pour les CM1? Oui. Tu as bien travaillé? Oui. On vous souhaite une bonne... rentrée. Allez, au revoir, les amis. N'oubliez pas de mettre un like et abonnez-vous. Au revoir.